La course au titre commence peut-être là, Atlético Barça, dès la troisième journée de Liga pour ce match crucial. Énorme surprise, Léo Messi est donc remplaçant. Le Barça peut-il vraiment se passer de l'Argentin pour un tel choc? C'est en tout cas un premier test cette saison pour les deux équipes. Les Colchoneros partent eux aussi à la conquête du titre avec Antoine Griezmann titulaire en attaque aux côtés de Fernando Torres. Quel départ. Barcelone est à 10 puisque Neymar change donc ses crampons. Andrés Iniesta prend le couloir gauche du Brésilien. Il revient d'ailleurs, bien joué de la part d'Iniesta. La passe est... Quelle bonne passe pour Rakitic. Le tir de Rakitic et la première parade décisive de Yann Oblak. Et le Barça par moment il est un peu plus direct qu'il était à l'époque de Xavi, Fabregas. Oh là, ballon bien récupéré là par Griezmann. La passe peut-être décisive pour Fernando Torres dans la surface de réparation. Le tir au-dessus du but de Ter Stegen et encore une nouvelle erreur de la défense catalane. Busquets et Vermaelen sont à l'entrée de la surface à hauteur du point de pénalty. Rakitic met ce ballon à ce niveau-là. La déviation au deuxième. Oh, c'est sur le montant. Le dégagement de Philippe Luis. Avec une possession, on va voir encore, il finit. Et le ballon, ouh, Suarez. Une occasion et peut-être un but pour Luis Suarez. Il part dans la profondeur. Il est un petit peu excentré, heureusement pour les Colchoneros. Quelle bonne passe. Neymar le contrôle un peu long. Le crochet fantastique. Le double contact de Neymar et le ballon est contré. Matteo Laos laisse avec Luis Suarez. Il doit lui donner à Rakitic. Il doit lui donner à Rakitic ensuite. Thiago. C'est bien fait. Fernando Torres, contrôle orienté face à Javier Mascherano. Il est isolé, excentré. Le centre, il réclame une main. Ouh, ballon toujours pour les Colchoneros. Le tir de Torres. Contré. Juan Fran. En 1 contre 1 à nouveau. Ballon touché par Jordi Alba. Il y a main, hein. Y a oui, main. C'est... Bien sûr qu'il y a main. Et mais ça, c'est voilà. Voilà. Bien sûr. Il n'y a même rien à dire. Oui, est-ce qu'on va dire. Attention, Fernando Torres. Pas de hors-jeu pour Fernando Torres. Fernando Torres à nouveau en face à face. C'est sur le poteau, mais ça entre face à Ter Stegen. 1-0 pour l'Atlético grâce à El Niño. Neymar pour tirer ce coup franc. Oh, quel but! L'égalisation splendide du Brésilien. Le Barça ne doute que quelques secondes et revient dans ce match. Un partout. Coup franc sublime de Neymar. Des fois, s'amplifier un geste comme celui-là, ce n'est pas possible. Parce que certes, c'est un coup franc. Ils sont entraînés. Ils le répètent je ne sais pas combien de fois. Mais en même temps, petit mur des quatre joueurs. Oh, il est beau. Messi, hein. Oh, la passe encore de Messi. Rafinha prolonge sur Luis Suarez. Il a manqué son extérieur du pied. Léo Messi, loin du but. Quelle passe de Messi pour Neymar. La balle de deuxième but pour Neymar. Sauvetage devant la ligne. Ballon sorti en catastrophe. Et Rafinha là arrive le pied. Bien trop. Neymar avait la victoire au bout du pied. Jordi Alba, Gabi, Neymar dans la surface, Gabi. Et ballon pour Luis Suarez, l'appui de Luis Suarez, l'extérieur de Lionel Messi. Les grands joueurs transforment toujours les matchs. Papa dans la semaine, buteur le week-end, Barcelone mène 2-1. Oh, ne te va Jean-Messi, alors petit. Oui, là il fait rentrer Vietto, non? Ouais, là, il oui, mais je crois rentrer. Qu'il a tardé, il aurait dû oser tout de suite. Attention Messi, très bonne prise de balle face à Philippe Luis. Il élimine Jiménez, la passe encore pour Luis Suarez. La parade d'Oblak et Messi encore à l'origine. Ça c'est le... Il y a faute, non, qu'est-ce qu'il va siffler? Il siffle à la fin de ce match. Matteo Laos, le Barça s'impose 2-1. À Vicente Calderón. Messi donne la victoire au Barça. Son entrée a tout changé. Évidemment, 3 matchs de championnat, 3 succès pour les Catalans.